Ulrich! Eh bien, quelle coïncidence de vous voir à nouveau! Ne vous inquiétez pas, le roi Vorn m'a tout expliqué. On est prêt à partir dès que vous l'êtes. Eh bien, c'est parti! C'est parti! J'apprécie que vous nous acceptiez à bord, Ulrich. Mais pourquoi est-ce que nous avançons aussi lentement? Je savais que vous allez remarquer. C'est un ordre de Sa Majesté. Puisque c'est notre dernier bateau volant. Et il voulait qu'on prenne un rythme lent. Afin de mettre moins de pression sur les moteurs, vous voyez? Davantage de temps perdu. Je lui ai dit que ça vous plairait pas, mais vous inquiétez pas, même à cette allure, cela nous prendra seulement quelques heures. Très bien. Je ne vais pas vous demander d'aller contre la volonté du roi Vorn. Ah oui, mais... on ne sait jamais, peut-être que ma mag va glisser et je vais monter d'une ou deux vitesses. Oh, cela sera un accident heureux, en effet. Ah, ça, je sais. Eh bien, reposons-nous jusqu'à notre arrivée. Ouais, ça me semble bien. Explorez le bateau, bien sûr. Tout est ouvert pour vous, même la salle du moteur. Ah oui, j'adorerais le voir. Cependant, Jacqueline... Allez, vas-y. Tu vas kiffer. Moi, je vais rester ici, regarder la vue. Ah ouais, bon, autant se dégourdir les jambes. Je pense qu'on va attendre pendant un petit moment. Ah, je pourrais rester ici pour toujours. Vous savez, pas tous les jours qu'on voyage sur un bateau volant. Ah, mais avant, on avait plus l'habitude. Vous devez vraiment vous remettre du choc d'avoir perdu les bateaux volants. En toute fairness, en toute honnêteté, ils sont très utiles en temps de crise de fin du monde. Un bateau volant fait comme si vous étiez connecté au monde entier. Vous pouvez aller n'importe où rapidement. Vous aviez la belle vie. Depuis quand est-ce que tu te plains sur quelque chose qui est facile, trop facile? Eh bien, j'aime les difficultés. Probablement depuis qu'il essaie d'impressionner une certaine jeune fille. Ah oui, ah, oui, 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 peu importe. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Jackie a simplement remarqué l'évident. Parfois tu dis des choses étranges, Jackbot. Eh bien, peu importe. Je vais marcher un peu. Afin de vous permettre de... Ça va vous éviter de murmurer lorsque vous parlez de moi. Eh bien, c'était surprenamment... tactile. Non, attendez. Bravo. Voilà. Moult tact, Jackbot. Je ne pense pas que le tact fasse partie de ma programmation. Eh bien, tu as des amis étranges, Jacques. Tu n'as pas idée à quel point. Le bateau volant. Oh, Charlie, alors, tu t'habitues au voyage sur bateau volant? Il y en a vraiment qui s'habituent à ça, je veux dire. J'ai jamais quitté Féopolis il y a à peine un mois. Je sais pas ce que ça veut dire, mais parfois je dis des trucs qui veulent le dire. Mais parfois des merveilles ne perdent jamais leur lustre. Ah, mais comme j'aimerais pouvoir voir ça à nouveau avec des yeux d'innocent, d'ingénu. Ça vaut cette expérience, Charlie. Jacques, ce qui s'est passé à la Forge Céleste, est-ce que vous auriez vraiment pris ce bateau par la force? Je sais que le roi a fait une grosse erreur, mais... Et j'aurais compris que vous l'ayez volé, mais...
Vous n'avez pas l'air de ce genre de personne. Eh bien, sans aucun doute, nous devons encore apprendre beaucoup de choses l'un de l'autre. En toute honnêteté, j'ai bien envisagé le prendre. Cependant, j'admets que ma menace était plus un aboiement qu'une morsure. Tu sais, j'ai entendu des histoires à propos des Magi lorsque j'étais enfant. C'était pas très flatteur. Mais je les aimais. J'imaginais ce que ça faisait d'avoir des pouvoirs magiques. Comment je pouvais les utiliser afin de prendre tout ce que je voulais. La nourriture, les vêtements, tout. Mais tu n'es pas comme ça. Je ne sais pas... Enfin, je ne te connais pas trop. Mais je peux le dire avec certitude. I can tell, yeah, you don't think your power make you better. Oui, tu ne penses pas un seul instant que tes pouvoirs te rendent meilleur que les autres. C'est la différence entre nous et le glitch. Alors, je sais que tu as fait le bon choix. Même si ça veut dire rendre les choses plus dures pour nous. Oh là là. J'aurais aimé être aussi sage à ton âge. Toute la sagesse que je peux avoir, je la phagocyte, je la copie de vous tous. Oh là là, tu te mésestimes, Charlie. Et j'ai remarqué que tu essaies de camoufler tout ça avec, je sais pas, posturing, en faisant semblant. Eh bien, je suis pas aussi confiant que toi. La confiance? Est-ce vraiment l'impression que tu as de moi? Eh bien, soit je suis un meilleur acteur que je ne le réalise, ou alors nous avons vraiment moult choses à apprendre l'un de l'autre. Je parie que 300 ans, qu'un mage de plus de 300 ans a de formidables histoires à raconter. J'en ai, en effet. Mais pour le moment, Charlie, merci. Pour avoir permis à un vieux idiot de voir à travers des yeux renouvelés, je sais pas, un nouveau regard, bref. Hé, hey, gamin, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je faisais un tour du bateau, et toi? Je me détends, ah! Il est bon d'être à nouveau à l'air libre. Surtout avec un pilote qui sait ce qu'il fait. Ah oui, il dit pas ça à Charlie, à Jackie, hein. Motus et bouche cousue. Ah ouais, tu... Ouais. Bah, mais bien sûr, tu t'en souviens pas? Lorsque tu étais gamin, je t'ai dit que je pouvais prédire le futur. Ah, et en plus, je t'ai cru. Mais en plus, tu avais raison. On a bien vécu dans une grande et magnifique maison. Qu'on aurait de la bouffe à profusion, de beaux habits. C'est quoi le prochain mot? Eh bien, peut-être que je disais la vérité. Oui, je peux pas dire que c'est impossible, après toutes les choses incroyables que j'ai vues. C'est vrai. On dirait que tout est possible de nos jours. Tu peux pas prédire l'avenir, n'est-ce pas? Hein? Ça pourrait être vraiment pratique, tu sais. Non, j'ai juste inventé ça, afin que vous, gamins, ayez quelque chose en quoi croire. Je m'en doutais. Tu fais toujours ce genre de truc. Mais je me suis toujours demandé ce qui t'a maintenu motivé, ce qui te faisait tenir. On t'avait toi, mais toi, qu'est-ce que tu avais? Je n'avais pas tellement d'espoir auparavant. Mais je voulais bien quelque chose. La pire chose de mon enfance n'était pas juste de survivre, de combattre pour survivre. C'était savoir que personne se soucierait de moi si je perdais la bataille. Alors plus que quiconque, plus que tout, je voulais une famille.
quelqu'un qui en qui tenait à moi et vice versa et tout ça. Ah Jacqueline, je suis désolé. Mais maintenant, tu as Jackie. Bien sûr. Et pas seulement lui. Vous les gamins, n'étiez pas exactement ce que j'avais en tête, mais j'ai trouvé ma famille. Et toi et les autres, vous m'avez donné la force de continuer à vivre. Tu sais, j'ai dit une fois à Jackie que j'étais bien plus chanceuse de vous avoir vous que vous étiez vous de m'avoir moi. Et c'est vrai, vous m'avez vraiment sauvé. Ah, je savais pas, mais je suis content qu'on ait pu faire quelque chose pour toi. Même si c'est loin de tout ce que tu as fait pour nous. Eh bien, vous avez continué à avoir confiance en moi, même lorsque j'ai été chassé de Féopolis. Et vous m'avez aidé à sauver Jackie. On dirait que j'ai fait plus de bêtises qu'autre chose, mais peu importe. Je vais voir ça jusqu'à la fin. Tu sais, je sais que tu le feras, gamin. Et je serai là, à côté de toi. Ah, est-ce que tu pourrais aller chercher Jackie? Lui dire de venir lorsqu'il sera prêt. Ah ouais. Je suppose que ce serait romantique d'être ici avec quelqu'un. Ah, peut-être que toi aussi, tu devrais en profiter. Ah mais de quoi tu parles? Bon, c'est toi qui vois. Hein. Mais je te supporte à 100%, gamin. Jacqueline, comment quelqu'un d'aussi cool peut être aussi embarrassante? Que puis-je dire? C'est un don. À nouveau sur les routes. Voilà, j'étais si impatient de retourner à la maison et de dormir. Mais puisque nous sommes le dernier bateau volant en opération, j'imagine que je ferai pas ça pendant un moment. On devrait atteindre Nibis dans quelques instants, gamin. Je suis le second, l'homme de main du capitaine Ulrich. Si quoi que ce soit se passe mal, ou si le capitaine est occupé, c'est à moi de prendre les rênes. Bref, de m'occuper des choses, quoi. La plupart du temps, cependant, je reste là et je donne et je transmets les ordres. J'aimerais faire un boulot plus intéressant parfois. Oh, je pourrais toujours t'assigner à la corvée de nettoyage si tu veux quelque chose de plus intéressant. Oh non, merci monsieur. C'est un privilège d'apprendre de vos expériences. Ouais, ouais. Ah, le vent, ça fait du bien. Tu penses pas? Ah ouais, t'aimes vraiment être là-haut, n'est-ce pas? Même quand, après la mort de grand-papa, je ne pouvais me rendre nulle part. Pas sans m'y être rendu auparavant. C'était juste Stonecrest, la cave océan et la plage. C'était pas mauvais, mais je me sentais piégé. Là-haut, cependant, c'est comme si je pouvais aller nulle part, partout. Je me sens si libre. Ouais, exactement. Ouais, ça je comprends. J'étais bloqué aussi à Féopolis toute ma vie. Et tu faisais quoi jusque-là? Je méditais, enfin, j'essayais. C'est une technique que mon grand-père m'a appris. Ah ouais, c'est ce truc-là où tu concentres ton esprit ou quelque chose de genre, n'est-ce pas? Ouais, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ça m'aide à me détendre, ou du moins à nettoyer quelques toiles d'araignée. Et t'as du mal? Charlie! Est-ce que c'est mal que je sois heureuse à propos de tout ça? Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est juste que la raison pour laquelle je suis ici, c'est que le glitch a détruit Stonecrest. Et être avec vous et les autres, c'est comme ça me rend utile. Ça me rend heureuse. Et ensuite, je pense à tous les gens qui sont morts. Tous ceux qui ont perdu leur foyer. La seule raison pour laquelle j'ai rencontré... pour laquelle Jacqueline a rencontré Jackie, était parce que le monde a touché à sa fin. Et la seule raison pour laquelle je ne suis pas mort de faim, était parce que quelqu'un a mis Jacqueline dans la même horrible situation que moi.
Si on réfléchit comme ça, c'est plutôt déprimant. Ouais. Alors, comment t'y fais face? Eh bien, j'y fais face. Nous ne sommes pas responsables pour toutes les choses horribles qui se sont produites. Nous sommes juste les personnes qui ont récupéré les morceaux. Alors tout ce que nous pouvons faire, c'est avancer et vivre du mieux qu'on peut. Peu importe qui essaye de nous barrer la route. Et crois-moi, après tout ce qu'on a traversé, et on a traversé des choses, tu mérites, toi aussi, enfin ouais, tu mérites d'être heureuse, Emma. Charlie, c'était magnifique, merci. Ouais, pas de quoi. Même si, pour être honnête, j'ai du mal aussi à avancer. Aller de l'avant. Tu veux en parler? Enfin, je veux dire, tu n'es pas obligé, mais ça me gêne pas, je veux dire. Ouais, je sais, merci Emma. Ça veut dire beaucoup, mais c'est juste que... C'est ok. Parfois, certaines choses ne sont pas faciles à formuler. Ouais, ça ferait du bien de parler, mais peut-être une autre fois. Tu sais, si ça te dérange pas. Eh bien, ce Konang, idiot. On peut se parler quand on veut. Ok, bah ça marche. Je te laisse retourner à ta méditation. Ok, merci. J'arriverai peut-être à quelque chose cette fois-ci. Allez, je peux le faire. Je peux traduire encore, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est à la salle des machines? Ah non, c'est dehors. Bonjour. Quel sort? J'ai bien peur que ma fille ne soit pas en état. Toutes ces secousses lui causent un mal de l'air. Encore combien de temps? Plus très longtemps, ma chère. Nous allons bientôt mettre les pieds dans les terres gelées du Nord avant même que tu t'en rendes compte. Ah, comment quelqu'un d'aussi charmante et sage que moi ait pu mériter une telle malédiction? Ne crains rien. Quelques secondes, quelques minutes sur la terre ferme et elle sera de nouveau sur pied. Eh bien, tu te demandes sûrement où est-ce qu'on dort tous, eh bien. Parce que les bateaux volants sont si rapides, d'habitude, on reste à l'auberge. Ou alors, on campe dehors. Ou on dort parfois sur le plancher. C'est pas mal, hein. Une fois que t'y es habitué. Ça me rappelle les fois où je dormais dans les souterrains. Faire partie d'un équipage de bateaux volants veut dire qu'on est toujours en déplacement. À aller de gauche à droite à travers les continents. À réparer une ville, à installer une nouvelle technologie. Alors, est-ce que tu pourrais me laisser manger en paix? Oui. Ok. Ça pourrait être désagréable. Charlie! Est-ce que ce serait pas le moment idéal pour que tu m'apprennes davantage? Ouais, bien sûr! Voyons voir, puisqu'on est là-haut, pourquoi pas essayer de crier? Augmenter le volume de votre voix? Ouais, ça en fait partie, mais c'est aussi une manière de s'exprimer, de ce que tu ressens. Je ne comprends pas. Ok, alors, imagine, je suis le glitch, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je voudrais t'informer que tu seras bientôt supprimé et je vais commencer à attaquer. De préférence avec des lasers. Eh bien, tu n'informes pas le méchant. Tu lui dis juste que tu vas le tabasser. Allez, essaye d'être un peu fâché contre le glitch. Allez, plus fort! Ouais? Ouais? Je ne comprends pas. Ah, ok. Tu n'es pas un type qui est fâché. C'est probablement un mauvais endroit où commencer, peu importe. Alors, oui, allez, viens avec moi. Alors, une fois que t'es là, dans le ciel, la vue est incroyable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu ressens? Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Je suis ébobi, libre, heureux. Lorsque je suis là-haut, je veux juste me lâcher. Ah, heureux.
Comment notre augmentation d'altitude te rend heureux? C'est pas à propos d'altitude, c'est à propos de vision, de son, le vent qui te traverse la chevelure. Ah ouais, bon, ce dernier point, ça peut être difficile pour toi. Mais ouais. Regarde, tu ressens rien? Petit. Petit? Et tu veux dire quoi? Je n'ai précédemment pas quitté mon monde. J'ai moult bases de données remplies d'informations à propos du vôtre, mais cet endroit est bien plus que des données. Tout a une fonction spécifique dans mon monde, mais ici, ce n'est pas le cas. N'importe quel programme peut faire des choses qu'ils veulent. Malgré mes vastes connaissances et mes capacités uniques, je suis limité. C'est pourquoi je me sens petit. Eh bien, tu sais... Ce que je pense pourrait t'aider. Est-ce que cela implique d'émettre des bruits forts? Ah ouais, ça c'est sûr. Allez, à trois, on va tous les deux crier. Tu te souviens ce que je t'ai appris? Affirmatif. 3, 2, 1... Ouais! Waouh! Pour quelqu'un d'aussi réservé, tu peux vraiment crier fort! Ils sont retournés les deux. Je suis capable d'augmenter mon volume davantage. Si cela pourrait être bénéfique. Non, c'est probablement assez fort. Bien, on a bien taffé aujourd'hui, Jackbot. Je ne comprends toujours pas, mais je pense que je vais essayer de crier à nouveau. Eh bien, il y a de l'espoir pour toi, Jackbot. Super. Ah, c'est un camarade intéressant que tu as là. Il me rappelle quelque chose que j'ai vu sur un parchemin. Un plan à la Forge Céleste. Même si on les a à peine utilisés, maintenir ces canons nécessite moult travail. Les nettoyer, préparer la poudre noire, la mèche, ce n'est pas l'arme la plus pratique, n'est-ce pas? Prudence, gamin! Cette chose est en ébullition, nous les nains. Nous avons l'habitude des chaleurs extrêmes, mais vous, les humains, patron. Alors, n'essaye pas de te rapprocher trop, hein. Sinon, tu pourrais perdre des sourcils. c'est quelque chose. Ouais, c'est incroyable, mais je comprends pas comment tu peux fixer une chose du regard comme ça. Essaye de regarder avec plus d'attention. Tu vois tous ces morceaux qui bougent, comment elles se connectent les unes aux autres. Il y a un sentiment d'harmonie dans tout ça. Chaque pièce doit travailler ensemble, sinon nous ne pourrions avancer. Ah ouais, lorsque tu le formules comme ça, j'arrive à voir ce que tu veux dire, mais c'est plutôt incroyable. Ah, content que je ne suis pas le seul, alors. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai toujours adoré les bateaux volants. Enfin, les bateaux. Ben, c'est probablement parce que tu as vécu dans une ville portuaire. Je n'avais même pas vu de vrais bateaux jusqu'à ma fuite. C'est pas surprenant. Théopolis est très isolé. Mais tu as probablement raison, vivre à Azureus a sûrement beaucoup à faire avec mes préférences pour les bateaux. Mais je me suis toujours demandé si mon amour des bateaux pourrait venir de mes parents. Hein? Mais Jacqueline m'a dit que tu ne te souvenais pas de tes parents, comme elle. Des souvenirs, non, mais j'ai appris qu'ils étaient des explorateurs, ou même des archéologiques, ou archéologues plutôt, ou quelque chose comme ça.
peu importe ce que c'était, ils ont passé moult temps dans les hautes mers. Ils ont cartographié leur voyage depuis Azureus. C'est la raison pour laquelle j'ai atterri ici. Cependant, ils venaient de Féopolis. Ils voulaient gagner leur droit d'aller dans le district d'or en gagnant de la célébrité et de la fortune grâce à leur découverte. Ouais, j'en ai vu des gens qui poursuivaient ce rêve. Ils l'ont jamais atteint. Ça leur a toujours coûté quelque chose. Eh bien, ça a coûté la vie de mes parents. Ils ont perdu contre un monstre sur une île maudite et oubliée. Ah, je suis vraiment désolé, Jackie. Ah, ça va, ça va. Même si j'aurais souhaité que les choses soient différentes, j'ai eu une bonne vie. Et j'ai même pu les venger. Ah, je me demande si j'aurais cette chance. Hein? De venger quoi? D'avoir une bonne vie? Jacqueline m'a dit ce qui s'est produit pour tes parents. Je suis désolé que tu aies dû traverser tout ça. Ouais, merci. C'est juste que... Nous avons tous notre passé. Et jamais j'oublierai le mien. Un jour, je ferai payer... je me vengerai de cet homme. Sois prudent. Le district d'or... que le district d'or ne te coûte pas toi aussi quelque chose. C'est déjà le cas. Ah, oui, Jacqueline a dit que... De revenir sur le pont lorsque tu seras prêt. Elle t'attend. Ah, elle a fait de toi un messager, n'est-ce pas? Merci, Charlie. Je vais m'y rendre. Étant donné que je me suis absenté pendant un mois, il est probablement bon de ne pas la faire attendre. Ouais, je la ferais pas attendre si j'étais toi. Tout le monde, montez! Un objet non identifié atterri. Je sais pas. Bref, il y a. J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, toi et moi. Toi comme moi. Si c'est un autre bateau volant, il n'y a qu'une seule chose que ça puisse être. Ah oui, c'est définitivement un autre bateau volant. Oui, mais je ne sais pas qui le pilote. Mais il rivalise avec notre vitesse et notre altitude. C'est le glitch, pardon. Tu veux dire que ce bateau ne vole pas par lui-même cette fois-ci? Affirmatif. Le glitch est à bord de ce véhicule. Oula. Ah, salut! À chaque fois que j'y pense, peut-être que je devrais les laisser en vie. De toute façon, à quel point peuvent-ils foutre le boxon? Eh bien, vous mettez encore en travers de ma route. Grâce à votre petite escapade à la cité des sons, je sais exactement ce que vous avez prévu. Et je ne laisserai pas cela se produire. Même si vous survivez à cela, ce qui est peu probable, les autres portails sont protégés. J'ai mis bien le boxon pour vous garder occupé, me donnant plein de temps afin de finir de prendre le contrôle. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous ramener dans mon nouveau monde. Tant que vous promettez de vous tenir à carreau. Il va attaquer! Alors on fait quoi? Cette chose a des armes, n'est-ce pas? En effet, il en a! Tout le monde, aux ponts inférieurs, préparez les canons. Vous placez un canon dans le... un boulet de canon dans le canon, dans l'emplacement, et vous allumez la mèche. Lorsque quelqu'un dit feu, c'est plutôt simple, n'est-ce pas? Et toi, tu fais quoi? Ulrich, je suis désolé, mais... Ah, ok, prenez la barre. Je suis un pilote décent, mais... Je n'ai jamais combattu... navigué en combat. Merci. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour donner les ordres. Et c'est toujours ton bateau. Ah ok, tu peux compter sur moi. Maintenant vous deux,
allez en bas et faites parvenir l'ordre aux autres. J'espère que tu sais ce que tu fais, Jacques. Eh bien, nous le découvrirons bien assez tôt. Bonne chance, mes amis. Se battre dans les airs avec des bateaux volants, ah, c'est nouveau, ça. Si les choses se présentent mal, revenez sur le pont. Je ferai ce que je peux afin de sauver tout le monde. Eh bien, espérons que on n'en ait pas à venir à là. Ah, cela fait un moment. Il est temps de voir ce dont ce bateau est capable. Oula! Les duels de bateaux volants. C'est Advance Wars. Alors, les batailles dans les cieux sont un peu différents des combats au sol. Toi et ton ennemi, prenez chacun votre tour, agissez tour par tour afin de... d'être plus malin que l'autre. Chaque bateau a un nombre limité de mouvements. Et certaines capacités coûtent de multiples mouvements. Alors, planifie bien en avance. Ton but est de faire exploser évidemment l'ennemi. Tu peux bouger ton bateau à gauche et à droite avec les boutons directionnels et sélectionner des capacités en appuyant sur Up and Down. Dans les batailles aériennes, ta position est très importante. Tu peux seulement attaquer l'ennemi lorsque tu es en phase directe avec le bateau. Le champ de bataille est composé de 9 carrés, chacun avec une couleur différente. La couleur de ton carré affecte la quantité de dégâts que tu peux infliger. Jaune est le plus faible, orange c'est normal et rouge c'est le plus puissant. Les capacités du bateau. Faire demi-tour. Voilà, bon, faire demi-tour, point. Faire feu, ton attaque de base, feu avec les canons, et laisse l'ennemi déguster. Un puissant tir. Une super attaque super puissante qui coûte plus de mouvements, mais très puissante. Et la charge. Permet de charger vers le haut et de gagner un mouvement additionnel au prochain tour. Donc là, on a 3 moves remaining. Donc ça m'a coûté un move. Génial. Charging up, ça veut pas dire charger vers le haut, mais... pas le droit de le faire deux fois. Pourquoi il m'a pas attaqué? La mourir!
Vu que j'ai l'avantage, quel est l'intérêt j'ai de retourner dans la zone jaune Il a pu avoir la... Si, il a attaqué du coup deux fois. Plus gagner. Ok, je vais faire ça de la manière ennuyante, chiante. Bravo, j'ai gagné my wings, comment c'est la médaille du vol quoi. Bref, ouais, on a réussi. C'est poté pour Stonecrest. Mais comment elle a pu tirer avec le canon? Bon, on s'en fout, en même temps, c'était en ligne droite, je suppose. Est-ce qu'on a réussi à vaincre le glitch aussi? Négatif, il s'est échappé. Ça vient d'en bas. Le moteur. Non. Il faut que je le dise à Jacques. Vite, dépêche-toi. Si le moteur est détruit, alors qu'est-ce qui nous maintient en l'air? Absolument rien. Allez, tous au pont. Et toi alors? Et toi alors? Ce nain est en vie, je vais le porter. Allez, il n'y a pas de temps. Nous allons nous cracher dans 15 secondes. 14, 13. Quoi? Je vous dis go! Sauvegarder, oui. Mais c'est tout. C'est ici qu'on s'arrêtera. Incroyable. Une BOD, du coup, je sais pas. Je sais pas comment je vais la couper. Bon, en vrai, je vais pas me la couper. Je vais me la couper. On pourrait continuer. Comme ça, je pourrais splitter la BOD en deux trucs. Peut-être plus équitable. Ou alors, je considère que c'est une BOD à part. C'est pas... Il est déjà 23h49, pas spécialement sommeil, d'habitude je dure jusqu'à 2h, mais... j'avoue que la traduction est complexe aussi, ça me fatigue. Tellement de dialogue que... On va mettre en pause. Bah après, il faudrait continuer en vrai, dans le sens où... Non, on a coupé quand on peut voir les timestamps avec... Ah oui, mais le problème, c'est que si je reprends... Du coup, on avait coupé entre là et là, ça nous faisait donc une VOD de à peine une heure. Ouais. Et après, du coup, on avait entre là et du coup là où je suis, une VOD d'une heure 30, 1h40. Donc c'est OK, en vrai. On a déjà des VOD d'1h40 sur 8-Bit Adventure. Pas choquant, puis bon, c'est pas comme si mes moult gens qui regardaient. Non, en vrai, c'est vrai qu'on avait plus tendance à couper vers les 1h20. On avait 1h31 avec objection. Donc soit on coupe au niveau du... avant le bateau volant, du coup. Et moult discussions. Voilà quoi. Donc oui, on peut couper là, au niveau du bateau.
au volant, donc ça fait une heure aussi. Et donc du coup entre là il a fait 37 et là j'ai parlé beaucoup. Donc là on repart encore pour 20-30 minutes. Ok, bon allez. Let's go. Pas de cliffhanger en finale du coup. Oh. Cimetière des bateaux. Ah, je pensais que ça en était fini. Mais ce bruit, je suppose que Jacques nous a téléportés en dehors du bateau. Mais où est-ce qu'on a atterri alors? Jacqueline, Emma, Jackie, y'a quelqu'un? Waouh! On se les gèle ici. Tout le monde disait que Nibéus était sur un continent gelé, alors... Je suppose qu'on est à... on est au bon endroit. Allez! Charlie, ressaisis-toi. Qu'est-ce que Jacqueline ferait dans une telle situation? Elle trouvera un moyen de s'en sortir. Bah allez, ça sert à rien de rester planté là. Si on s'est tous téléportés, les autres doivent pas être loin. Je dois juste les trouver. Ah. Eh, ce truc est toujours chargé. Peut-être que ça permettra de dégager la voie. Mais sauf que j'ai rien pour allumer la mèche. Merde. Merde. Masse de zut de flûte. Un petit mage qui sait faire du feu, ça pourrait être pas mal. Ou alors le robot avec le lance-flamme. Ça va, ça reste plutôt crédible qu'il sache pas faire du feu, lui. Les autres, ça aurait été un peu plus chelou. Qui êtes-vous? Ah, marin spectral. It is hot. Attendez, mais il va me tuer? Parce que je suis pas vraiment fait pour être tout seul dans la nature, mais bon. Un briquet? Ah bah flint. C'est une pierre là pour allumer quoi, bref. C'est un briquet. Je sais même pas qu'est-ce que c'est censé me dégager du coup. À quel endroit je suis bloqué? Ah bah si, par contre j'avais des pierres dans mon inventaire donc pour faire des dégâts de feu. Mais bon. Yaha! Feu! Ah d'accord. Bon. Cette chose est plus puissante que je le pensais. Ok. Ouais, on va éviter quand même les combats. A Phoenix Down. Et on peut éviter les combats, ça m'arrangerait. Ça évite d'overlevel Charlie et ça évite aussi que je me prenne la max. Parce que là, je peux mourir à tout instant. Ils sont où les gens là? Hé, hey, attends! Hé! Hé là-haut! C'est une lantin qui se promène. Tu te sens mieux, Jacques? Un petit peu, merci. Et je crains que cela va me prendre quelques temps avant que je sois pleinement remis sur pattes.
Je pense pas que je devrais me téléporter à nouveau de sitôt. Mais tu es certain que tout le monde s'en est sorti? Il y avait tant de gens, j'avais que quelques secondes pour me préparer, mais oui, je pense que oui. Et tu nous as jamais mal téléporté ces derniers temps, je sais pas, genre un truc dans le genre, je sais pas. C'est un record que je souhaitais garder. Mais j'aurais aimé que tu trouves un endroit mais plus agréable où nous poser. Tu sais où est-ce qu'on est? Eh bien, étant donné le froid ambiant, il est clair que nous avons atterri sur le continent gelé. Oui, ça, je m'en doutais. Mais allez, Jacques. Je parie que tu sais où nous sommes exactement. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais quand tu es nerveux. Tu n'arrêtes pas de regarder aux alentours, comme si tu avais peur de quelque chose. Eh bien, nous sommes actuellement à l'ouest de Niveus, dans un endroit que les gens ici appellent le cimetière des bateaux. C'est un endroit maudit, dominé, enfin, régné, où les morts règnent. J'ai toujours assumé que tout ceci n'était que superstition, cependant... Mais il y a quelque chose dans l'air, n'est-ce pas? Et connaissant notre chance... Oui, exactement, fantôme ou non, quelque chose ne va pas ici. Eh bien, pensons à autre chose alors. Comment va Adèle? Plutôt bien, merci. Nous faisons de notre mieux pour rattraper le temps perdu. Cependant, ma soudaine disparition ne m'a pas ramené dans ses grâces. Eh bien, si elle est comme moi, oui, probablement non. Je suis désolé que tu aies dû la quitter afin de me sauver le cul. Ma chère Jacqueline, n'en dis pas plus. Je suis content d'être arrivé à temps. Je savais que tu allais dire quelque chose comme ça, mais... Toi et Jackie, vous êtes tous les deux très importants à mes yeux. Si je pouvais sauver vos vies au prix de la mienne, je le ferais sans hésitation. Vieil homme. Voilà tout ce que je voulais dire. C'est que la chance que je me dispute avec Adèle est un prix faible à payer. Eh bien, si ça a de l'importance, tu es la chose la plus importante. La plus proche, plutôt que... ouais, voilà, tu es celui qui se rapproche le plus d'un père pour moi. Je me suis jamais vu comme étant un père. Oui, enfin, tu es plus un grand-père, en fait. Oh, toujours aussi flatteuse, n'est-ce pas? Je suppose que grand-père est toujours mieux que vieil homme. Eh bien... Les grands-pères se détendent et font des choses drôles. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Eh bien, certainement pas dans ma famille. Eh bien, si tu étais ma petite fille, je serais incroyablement fier. Tu penses vraiment? Sans doute, sans l'ombre d'un doute. Eh bien, oui, je serais aussi fier que tu sois mon grand-père. Eh bien alors? Oui? Peut-être devrions-nous... Oh, tout va bien. Plus tôt nous trouverons les autres, plus tôt nous pourrons nous casser de là. Et alors quoi? Et ensuite, je pourrai voir Adèle et nos chemins... divergeront à nouveau, hein? Nous allons avoir besoin de toutes les armes à notre disposition si nous souhaitons gagner ce combat. Toutes les armes. J'expliquerai un peu tard, mais pour le moment, concentrons-nous sur le problème que nous avons sur les bras. Ok. Ah. Pour une fois, je suis pas là pour te dire de se garder. À travers moi, tu peux accéder aux membres de l'équipe qui sont actuellement séparés les uns des autres.
je te recommande de récupérer des augmentes que tu aurais pu, tu pourras avoir besoin, comme l'anti-mute ou l'anti-confusion. Ah. Wink. Comment ça? Ah ben, on a tout le monde là. Et donc oui, augment, anti-mute, anti-confusion. Anti-confusion, c'est qui l'a? C'est lui. C'est Kiki. Oh, Jacques Butt, il est enterré. Ah mais on s'en fout, on se barre. Les pages sont déchirées et les mots sont effacés. On dirait un journal intime, un journal de bord. Le 8 février 63. Finalement, nous nous approchons de Nibéus, mais mon équipage et moi... Nous ne sommes pas seuls. Mon fils Willy m'a supplié de l'emmener avec nous. Il adore faire des bonhommes de neige. Il a adoré faire des bonhommes de neige lors de notre dernière visite. Je pouvais pas refuser sa demande. Après tout, c'est l'une des seules choses que je peux faire pour lui. Il doit être terriblement seul lorsque je suis en voyage. Une douleur que je connais trop bien. J'ai survécu à... I only survive if it's passing through him. Je sais pas. Mon fils est ma lumière. Oui, j'ai survécu à la mort de Yvette seulement grâce à lui, un truc d'argent. Il grandit si vite, encore quelques années, et il pourrait très bien rejoindre mon équipage. Père et fils voyageaient à travers le globe ensemble. Si seulement ce temps se calmait, Captain William Reed. Mais du coup, ils ont parlé d'explorateurs. Est-ce qu'on va retrouver les papas et les mamans les parents de Jackie? Cet accessoire booste le maximum de PV par 30 et réduit les dégâts alimentaires de glace de 25. Je suppose qu'on en a besoin. Le tome des arcanes. C'est de la merde en boîte. Pourquoi on a ça? Je pense que c'est de la merde en boîte, oui, non. Est-ce qu'on ne préférerait pas déjà récupérer Jackpot? Oula! Je ne m'attendais pas à ça. A Chillwind Bow! Mais elle ne va pas équiper ça. Ils vont tous être résistants à la... Au frozen. Je suis où là? Complètement paumé. Attendez, mais il y avait Jackbot, il était là. On le voit? Mais on le voit pas. C'est un endroit inaccessible. On peut aller là-haut, du coup. Ah si, là, il y a une autre grotte. Et d'autres gens aussi. Bon, après, Jacques... Merde. Il n'est pas ouvert le bel. Qui êtes-vous? Surreptitius Sirène. Siren. Zéro de dégâts. Il est confus. Il m'attaque. Génial. Je comprends le mieux, t'es le confuse, mais bon.
Ouais, mais bon, en même temps, j'ai rien pour me battre, donc... Ouais. Dans d'atroces souffrances. On a tout donné, mais du coup... c'est pas fun hein, de se battre avec trois persos. Deux persos. Déjà avec un perso, c'était pas fou. Ok, c'est ça, alors. C'est quand que ça m'emmène auprès de Jackbot? Oh là là, trop de gens. Smoke. Putain, mais on a une défense en carton. Bah les gelés. Et lui, il est presque mort. Génial, super génial. Et on affiche deux dégâts. Ah oui, d'accord. Ah bah, game over. Notre premier game over. Bah oui, bah on est deux. Et on a trois de défense apparemment. On peut retry the combat. Ça sert à rien de retry the combat, on se fait éclater le fion. Tu veux retry quoi? Haste! On va essayer de tabasser les blobs, peut-être qu'on peut les one shot. De toute façon, il n'y a qu'en one shotant les ennemis qu'on peut s'en sortir. On va compter sur Jack pour faire tous les dégâts. Hein. Bon, donnez-moi au moins un troisième membre. Ok. Un Jackbot! Est-ce qu'il va bien? Mes circuits sont gelés. Eh bien, je vois qu'une seule solution. Recule, Jacqueline. Raccroche-toi, Jackbot. Les circuits surchauffent. Un système de refroidissement engagé. Ancillary? Je sais pas. Ok. Température normale restaurée. Je suis à nouveau pleinement fonctionnel. Non, je suis pleinement fonctionnel, enfin, dans les paramètres, dans la marge d'erreur acceptable. Nous sommes heureux de te revoir sur pied. Je suppose que tu ne sais pas où sont les autres. Je détecte trois programmes au nord de notre position actuelle. Ça doit être eux. Aucun signe des nains ou des marchands, cependant. Curieux. Si nous allons tous bien, alors je suis sûr que nous allons rencontrer quelque part, n'est-ce pas? En effet. Eh bien, procédons. Du coup, on va lui remettre un augment. Peut-être que c'est plutôt à lui qu'on n'a pas envie de lui mettre la confusion. C'est autant, c'est lui qui fait le plus de dégâts, je pense. Mais bon... En plus, la personne qui sait faire des combos attaques entre eux, c'est génial. Casse les burnes. Ah, oui, mais pas trop au final.
Oh, Phoenix Down. C'est qu'on a ces trucs là aussi. Les items qu'on a, on a tendance à pas utiliser. De la défense magique cette fois-ci sur l'augment. Emma, Emma, s'il te plaît, réveille-toi. Jackie. Emma, tu dois te relever très doucement. Ah, pourquoi donc? Essaie de te lever, ok? Mais doucement. Ok, super. Maintenant, ne bouge pas. Reste parfaitement immobile. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Tu es sur une couche de glace. Elle est très sensible à un mauvais pas et tu passeras à travers. Mais je peux entendre l'eau si elle se casse. Je peux nager et m'en sortir. On est sur le continent gelé maintenant. L'eau ici est très froide. Tomber signifiera ton arrêt de mort. Signifiera ton arrêt de mort. Ah, ok. Alors ne pas tomber. Qu'est-ce que je fais alors? Je suis désolé, Emma, mais il va falloir que tu traverses la glace par toi-même. Quoi? Si j'essaie de te rejoindre, je mettrai davantage de poids sur la glace. C'est ta meilleure chance. Jackie, je sais pas si je pourrais le faire. Peut-être si j'avais ma vue, mais... Emma, je t'ai déjà vu faire des choses incroyables. Vu ou pas vu, je sais que tu peux le faire. Non, non, c'est différent. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas... Et tu n'as pas besoin de comprendre, tu dois simplement croire en toi-même. Grand-papa, je me souviens, tu me disais, t'arrêtais pas de me dire ça. Comment est-ce qu'on se recentre dans ce genre de situation? On se concentre, on respire, on se concentre sur notre respiration. Allez, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Sans ta vue, tu dois utiliser tous les sons, toutes les vibrations. Chaque odeur à ta disposition. Je peux sentir l'océan, oui. Et je peux entendre la glace craquer et céder un peu, enfin, bref. Oui, le sable tremble, parfois violemment, d'autres fois doucement, dans une vibration constante. Je ne sais pas où aller encore, ni comment me barrer de la glace. Je t'ai dit comment... je t'ai enseigné comment être... autonome. Afin de combattre. Afin de prendre soin de toi. Mais personne, peu importe à quel point il est doué, ne peut tout faire par lui-même. Alors souviens-toi, ma chère enfant. Tu n'es pas seule. Emma, ça va? Mais attends, c'est la réponse. Jackie, continue de me parler, je peux utiliser ta voix afin de me guider vers le rivage. Ah oui, ça c'est l'esprit. Je vais continuer à crier jusqu'à ce que ma gorge soit enrayée, ça se dit. Alors, prends un pas après l'autre. Ok, un pas après l'autre. Je n'ai pas oublié tout ce que tu m'as appris, grand-papa. Et je ne te décevrai pas. Par là! Jackie! Eh oh! Merde, il s'est fait tabasser l'arrêt. Ouh!
Je l'ai réussi. Dieu merci. Mais... qu'est-il advenu de Jackie? Eh bien, c'est une façon comme une autre de se frayer un chemin. De pouvoir avancer maintenant. Bon, on continuera plus tard. On s'en est sorti. Comment nos compagnons vont se retrouver? Qu'est-ce que c'est que cette lanterne possédée? Qu'est-il advenu de Jackie? Et de Charlie? Nous le saurons dans le prochain épisode de 8-Bit Adventures 2. Des bisous. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin.